ich freue mich ganz besonders, jetzt den nächsten Vortrag ankündigen zu können, der zwei Themen vereint, die ich beide interessant finde. Donc, cette prochaine session va couvrir deux sujets qui m'intéressent particulièrement. D'abord, le deep learning et le machine learning, et en seconde place, la durabilité et l'éco-responsabilité autour du deep learning. Donc, ce sera présenté par Nadia Geisler et Benjamin Hetash. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous et je suis vraiment content d'être ici et qu'on soit ici et que vous êtes tous ici. C'est notre premier congrès et c'est très excitant d'être ici. Donc, j'ai terminé mon master à la TU Darmstadt. Moi, je suis Benjamin. Je travaille sur le sujet depuis deux ans. Je voulais pas simplement utiliser le deep learning, mais je voulais plutôt m'intéresser vraiment à tout ce qu'il y a autour, et c'est ce que je vais vous présenter. Notre session, on l'a construite autour du motto du 36C3. Et on voulait justement regarder plus en détail les aspects du deep learning et du machine learning par rapport aux aspects de la durabilité et de l'éco-responsabilité, qui est un sujet intéressant pour notre avenir aujourd'hui. Avant de passer sur les trois facteurs, les trois problèmes de durabilité du deep learning, on va d'abord définir le deep learning. Quelles sont les bases absolues que vous devez avoir avant qu'on passe aux prochaines 35 minutes de notre discours? Donc, c'est ce qu'on va faire pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de deep learning? Qu'est-ce qui fonctionne et comment est le fonctionnement interne quand on l'utilise et pourquoi est-ce qu'on met en place du deep learning? Quand on parle de deep learning, on parle au final de réseau neuronal ou artificial neural network en anglais. Donc, c'est des constructions machinelles qu'il y a depuis très longtemps. Et on a eu un gros flop parce qu'on n'avait pas forcément les résultats qui nous intéressaient avec le machine learning, et maintenant ils sont revenus à la mode et ont été remis au goût du jour. On a dans l'architecture du réseau neuronal, on a plusieurs nœuds et chaque nœud contient est connecté à certains nœuds et contient un certain nombre de fonctions qui permettent de calculer un résultat. Pour l'instant, c'est relativement simple. Une fois qu'on a bien entraîné notre réseau neuronal, on va avoir pour des données d'entrée un certain type de données de sortie qui vont créer notre résultat. Ce qui est le plus important dans un réseau neuronal, c'est les données d'entraînement, donc les données qu'on va utiliser pour entraîner notre réseau neuronal. Ce qui est le plus important, c'est la quantité de données. Il faut vraiment beaucoup de données pour travailler avec des réseaux neuronaux pour entraîner le système. Ce qui est important, c'est de voir les cas d'usage et l'utilisation du modèle. Ici, on voit bien sur cette image, on part de gauche à droite, on a la partie training, donc les données les données d'entrée de notre réseau neuronal qui rentrent dans les différents neurones de notre réseau. Et chaque neurone représente une fonctionnalité. Ça peut être des couleurs, ça peut être des formes ou de la luminosité. Et ensuite, chaque propriété est représentée par le résultat produit par le neurone. Et ensuite, même si le réseau arrive à différencier un chien d'un loup, par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un résultat clair. Vous allez avoir des chiffres qui vont
qui vont vous donner, qui vont vous dire la raison pour laquelle une certaine donnée de sortie a été sélectionnée. C'est la base d'un système qui est utilisé pour le deep learning. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on prend vraiment une grande quantité de données et on utilise des tricks, des astuces utilisées en statistique qui, lorsqu'on utilise des fonctions spéciales, on a une généralisation des résultats. Donc on va prendre vraiment les astuces qui sont présentes dans les statistiques depuis des centaines d'années et on va les appliquer pour avec une grande quantité de données qu'on ne comprend pas forcément, avec vraiment une quantité massive de données, on peut généraliser de manière assez importante pour avoir un système qui fonctionne correctement par rapport aux résultats attendus. Malgré le nom deep learning ou intelligence artificielle, ça n'a pas énormément à voir avec ce que nous, on considère comme de l'intelligence ou comme de l'apprentissage. Le tweet que vous voyez ici résume bien la situation, indique que le cerveau d'un être humain fonctionne complètement différemment. Si notre cerveau fonctionnait comme le deep learning, on se taperait la tête plusieurs fois avant de comprendre, avant d'avoir le résultat escompté. Parce qu'un réseau de deep learning ne peut pas créer les résultats attendus assez rapidement et avec une quantité de données limitée, comme le cerveau humain peut le faire. C'est un problème, et on va le voir en détail, on va le discuter en détail, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a besoin d'avoir une grande quantité de données pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Le problème, c'est, le but, c'était vraiment d'essayer de reconstruire le fonctionnement d'un cerveau avec un réseau neuronal. Mais aujourd'hui, l'utilisation n'est plus vraiment, ou l'application n'est plus vraiment la reconstruction d'un réseau neuronal. Mais c'était l'objectif primaire. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on utilise tout ça. Ce n'est pas uniquement dans des institutions académiques et dans des centres de recherche, c'est dans des applications qui sont répandues. Il y a plein de pour et contre. On a en ce moment vraiment un pic de popularité et on a, par exemple, les assistants de langage, tout ce qui est les assistants personnels, Siri, Alexa, etc., qui font du traitement de texte par rapport à des entrées de vocales. Et ensuite, ils doivent pouvoir traiter toutes les données qui viennent d'Internet pour... Mais après, on a aussi tout ce qui est conduite autonome, Tesla, Uber, ou le transport autonome en général, avec un contrôle très précis de la motorique des différentes pièces, etc. Sinon, il y a tous les systèmes de recommandation, comme Amazon, avec les clients qui ont acheté ça achètent aussi ceci. Les résultats triés par Google lorsque vous faites une recherche, mais aussi ce que me montre mon newsfeed Facebook et qui reçoit quoi et combien de fois quelque chose a été vu. C'est pas si simple que ce que pensent certaines personnes. On a aussi des systèmes légaux qui sont utilisés pour calculer des peines de prison, par exemple, donc utilisés comme soutien juridique, mais aussi des systèmes qui essayent d'identifier avec la reconnaissance faciale différentes personnes.
On a tout ce qui est algorithme de notation pour du social rating pour tout ce qui est assurance, par exemple, et aussi pour trier des candidats éventuellement qui envoient des candidatures sur des pour des emplois. Ces systèmes comprennent pas vraiment ce qui se passe pour on peut pas vraiment savoir On ne sait pas vraiment ce que fait l'algorithme derrière dans l'intelligence artificielle, dans ces deep learning. On ne sait pas trop si ça utilise la distance entre les yeux, si ça regarde certains mots dans des textes, et ainsi de suite. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On ne peut pas vraiment regarder non plus ce qui se passe dedans. Des fois, quand on regarde dedans ce que ça fait, quand on regarde les résultats, on est un peu aussi pris de court par ce qui se passe, parce que des fois, ça a aussi des conséquences néfastes et secondaires qui sont néfastes. Donc, assez du deep learning et de comment ça marche, d'où c'est utilisé. Et donc, la durabilité... Nous, ce qu'on regarde, c'est premièrement la durabilité économique, académique. Qu'est-ce qu'on comprend par la durabilité économique ? Ça serait premièrement la pertinence. Comment est-ce que c'est pertinent pour le domaine académique dans lequel on évolue et pour le quotidien de la population ? La deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce que les résultats sont reproductibles ? Donc, est-ce qu'on peut, avec ce qu'on est en train de publier, aussi reproduire nos résultats, ou au moins quelque chose qui ressemble à nos résultats ? Ensuite, on regarde, est-ce que ce qu'on a étudié, est-ce qu'on peut le réutiliser ? Ou est-ce que ce n'est vraiment que applicable sur le tout petit domaine qu'on est en train de regarder ? Est-ce que c'est concurrentiel ? Donc, est-ce que éventuellement le système qu'on est en train d'utiliser est beaucoup plus dispendieux que d'autres systèmes qui seraient disponibles ? La systématique et dernièrement encore la pertinence aussi des résultats. Donc, est-ce que les résultats qu'on arrive à avoir sont pertinents au niveau statistique ? Est-ce qu'ils sont pertinents au niveau de ce qu'on peut en faire ensuite ? Certains d'entre vous viennent probablement du domaine académique. Donc, comment est-ce qu'on aimerait que le domaine académique, que la recherche fonctionne ? On fait de la recherche, on peut les reproduire, les résultats, et ensuite on les utilise. Mais actuellement, dans le domaine académique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait, parce qu'il y a une pression d'avoir des résultats qui sont relativement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui font des études sur du deep learning, d'autres gens qui entendent parler de ces systèmes et qui se disent « Ah ouais, ce système, il a l'air cool, le nom a l'air intéressant, quoi que ce soit, on va essayer de l'utiliser sur ce que nous, on pourrait l'utiliser sur le domaine que nous, on est en train d'étudier. » Éventuellement rajouter quelques différentes couches, rajouter quelques nœuds. On va changer un petit peu les modèles, éventuellement changer un peu la dimension des vecteurs qu'on utilise. Et donc, on brasse un peu le tout jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui a l'air d'être pertinent pour ce qu'on est en train d'étudier. Et on balance ça sur le réseau neuronal qu'on utilise. Ça fait du deep learning. On met les données dedans et ensuite on regarde si le résultat qui en ressort a l'air intéressant. Et éventuellement, si ça n'avait pas l'air intéressant, eh ben, on change un peu le réseau neuronal, les différentes conditions qu'on avait et on recommence et on recommence. Jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui a l'air intéressant.
Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à des paramètres pour le réseau neuronal qui ont l'air bien. Et on écrit une étude là-dessus. Et donc, pour classifier des loups par rapport à des chiens, ce sont les données qu'on a utilisées. Ça, c'est le résultat qu'on a eu. Et si jamais les résultats ne sont pas vraiment intéressants, dans ce cas-là, on n'a peut-être pas pris le bon algorithme ou on n'a pas mis assez de couches, trop de couches, pas assez de dimensions dans le vecteur ou trop de dimensions, et on recommence du début. Donc on essaye avec d'autres paramètres et on réentraîne un réseau neuronal et on regarde si les résultats sont bons. La seule chose qui se passe entre les deux, ben, c'est qu'on a utilisé beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, éventuellement du temps, mais ce n'est pas quelque chose qui coûte beaucoup aux chercheurs. Et ce n'est plus vraiment de la recherche empirique, c'est vraiment juste du essayer, changer les paramètres, tourner un peu ici, faire un peu plus bleu là, et essayer de voir si on a des résultats intéressants. C'est un peu dommage aussi parce que la plupart des papers qui sont publiés, la plupart des études qui sont publiées, ce sont celles qui ont des bons résultats. Il y a personne qui, ou peu de gens qui publient des résultats par rapport à, aux échecs qu'ils ont eus. Donc, par exemple, si un réseau neuronal qu'on a eu entre-temps qui n'a pas fonctionné, on ne va pas le publier. Et c'est un peu difficile parce que ça n'évite pas aux autres d'essayer ces paramètres aussi pour en essayer, pour revoir quelles fautes ont été faites. Et parce qu'on ne comprend pas non plus vraiment en quoi les paramètres qu'on a utilisés influent le résultat. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on publie juste les meilleurs résultats qu'on trouve et que comme ce sont que les meilleurs résultats qui sont publiés, les algorithmes ont éventuellement aussi l'air d'être beaucoup meilleurs que beaucoup mieux que ce qu'ils sont parce que les échecs ne sont pas publiés. Et donc, au final, on est déjà un système académique de publication qui n'est pas génial à la base. Et avec ce procédé donc d'essayer un peu de trouver quelque chose qui marche bien, ne le rend pas mieux, ça pourrit encore un peu plus le système et la pertinence des résultats qu'on arrive à en avoir. La représentation qu'on vous en fait aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu imagé, peut-être un peu trop, mais c'est pour vous en faire une description pour que vous puissiez comprendre aussi. Le système académique est un peu plus complexe que ça, au final. Donc, par rapport au deep learning, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans le deep learning. C'est vraiment une boîte noire. On met des choses dedans, il y a des choses qui en ressortent. Il se passe quelque chose entre. Il se passe éventuellement aussi des choses avant, avec du travail qu'on fait sur les données avant de les mettre dans le deep learning. Et des résultats qui en ressortent de cette boîte noire, il faut aussi éventuellement regarder est-ce que ça a l'air d'être intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce qu'il faut que je mesure encore un petit peu plus ou que je change encore un peu les données. Et donc c'est relativement facile aussi, si on ne réfléchit pas à la systématique et au système qu'on utilise, et surtout à la significance de ces changements qu'on fait, d'avoir des résultats qui ne veulent pas dire grand-chose, mais ça a l'air aussi tellement sympa et tellement bien présenté que ça passe quand même pas mal de publications. Sans avoir vraiment d'idées nouvelles ou d'idées académiques intéressantes, on peut faire des publications
qui ont l'air intéressantes parce qu'il y a des chiffres, ça parle de deep learning. Et si je suis le premier qui utilise le deep learning pour essayer de résoudre un certain problème, c'est aussi relativement facile d'être publié, parce que comme il n'y a personne d'autre encore qui ne l'a fait, n'importe quel résultat peut être un résultat intéressant. Si on veut savoir si un système est efficace, ça serait bien de pouvoir répéter la même expérience. Ce n'est pas si simple, parce que si les systèmes qui ont été utilisés, les systèmes de base, sont peut-être standards ou même open source, existent dans le domaine open source, ce n'est pas vrai pour tous les détails qui ont été implémentés par les personnes. Donc, ce n'est pas forcément vrai pour tout le code qui a été implémenté, tous les process. Les données, en général, ne sont pas disponibles. Les données ont une valeur, donc on ne veut pas forcément les donner. Mais on peut pas vraiment monter un système et dire être certain qu'il est efficace, dire je l'ai monté moi-même et voilà les résultats. On peut avoir des paramètres qui décrivent le système en détail, mais sans ces paramètres de base, on n'a aucune chance de reproduire l'architecture, le système utilisé. On a des choses comme l'architecture, la taille des couches et les fonctions d'activation. C'est important d'avoir ça parce que ces systèmes sont extrêmement fragiles et si on change des petits détails, des fonctions qui sont liées les unes aux autres ou la taille des couches, les coefficients, on aura un résultat qui sera complètement différent au résultat qu'on a précédemment. Donc, ça nous empêche de reproduire le même système. Le problème, c'est qu'on a, des motivations pour standardiser, pour mieux documenter tout ça, mais on n'a aucune obligation. Donc, dans la recherche, on aimerait bien que la recherche soit reproductible, mais on ne force pas les chercheurs à créer un système reproductible et à documenter leur architecture en détail. Parce que si on voulait le faire, il faudrait vraiment lister tous ces éléments que je vous ai présentés en détail et pouvoir avoir une sorte de label pour confirmer que l'expérience est reproductible. Mais sinon, c'est impossible. Le fait de pouvoir reproduire les expériences devient de plus en plus important. Le problème, c'est qu'on a énormément d'expériences et énormément d'études scientifiques qui ne peuvent pas être réutilisées par d'autres chercheurs. Et c'est important, le partage et l'évolution des recherches dans des nouvelles versions. Le problème, c'est que, on ne peut pas, si on ne peut pas reproduire, on ne peut pas continuer à travailler sur un problème existant et l'améliorer, ce qui est un des buts dans la recherche, de toujours améliorer les résultats, améliorer la recherche. Ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir cette reproductibilité partout et toujours. Donc, la solution, c'est de pouvoir publier notre code source. Regarde là, un écureuil. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive beaucoup trop souvent quand on parle de code et de publier le code. Quand on a un gros projet et qu'on s'approche de la deadline, souvent, le code n'a pas encore été nettoyé.
Et nous, on a énormément de pression de publication autour du deep learning. Il faut vraiment être très, très, très rapide pour pouvoir avoir vraiment des améliorations significatives dans ce domaine-là. Et du coup, on hack le code, on a un code qui n'est pas propre. Et au moment de la publication, et du coup, on ne pense pas à rendre ce code disponible et le publier. C'est pas le cas pour toutes les recherches. Ça se produit encore de manière très rare. Donc, pour une conférence, ils ont essayé de reproduire les différents résultats qu'ils ont eus dans les publications qui ont été faites lors de cette conférence, de la conférence et de la conférence précédente. Et ils ont vraiment essayé de prendre du temps pour reproduire les résultats. Et les résultats de cet essai de reproductibilité sont relativement maigres. Il y a 30% ou 33% qui ont pu avoir été reproduits, 50% en partie, et même 10% qu'on n'a pas du tout réussi à reproduire aucune partie de la publication. C'est déjà relativement mauvais, mais en plus, si on regarde la difficulté que les chercheurs ont eu à reproduire les résultats donc, de ces publications, c'était en partie vraiment très difficile. Donc, c'est un peu une crise de la reproductibilité dans le deep learning. Et donc, après ce challenge, après avoir essayé de reproduire des résultats, il y a une quinzaine de pourcents de chercheurs en plus qui ont vu un problème donc, dans la reproductibilité des résultats dans le deep learning. Et ils sont à peu près trois quarts actuellement des chercheurs qui ont pris part à cette recherche, qui voient un problème de reproductibilité dans le deep learning. Il y a entre-temps aussi des publications, des études qui font des méta-études, entre guillemets, donc qui étudient les résultats d'autres publications et qui ont essayé de voir quel pourcentage des résultats qui ont été publiés dans différentes conférences, dans différents journaux, quelle partie ils ont pu reproduire. Et pour ça, ils ont même contacté les auteurs pour avoir leur code. Ils ont essayé d'avoir leur aide pour pouvoir reproduire les résultats. Ils ont même racheté le même hardware pour pouvoir avoir le truc le plus proche de ce qui a été utilisé pour l'étude. Et sur 18 des études publiées qu'ils ont étudiées, ils ont réussi à en reproduire 7. Et pour en arriver à ces 7 études reproductibles, ils ont dû aussi déjà investir pas mal de travail, pas mal de temps, pour en arriver à des résultats comparables. Et dans le domaine académique, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien. Et pour en arriver à ces 7 études reproductibles, ils ont mis plus de travail dedans que ce que généralement des gens qui regardent qui regardent des études ou qui décident si elles peuvent être publiées. Les gens qui décident si les études sont publiées ne vont pas non plus essayer de reproduire les résultats, mais ils lisent peut-être la recherche, éventuellement même pas la recherche complète. Les publications de ces conférences, dans ce cas-là, ne sont pas n'ont pas d'essai de reproductibilité avant d'être publiées ou d'être acceptées pour une conférence. C'est juste un bonus éventuellement si c'est demandé, mais la plupart des décisions de
publication ou de conférence, c'est vraiment du on lit l'étude, si ça a l'air bon, ben, on la publie, on l'accepte pour la conférence. Pour vous démotiver encore un petit peu, pour les 7 études qu'ils ont réussi à reproduire, ils ont réussi, ils ont essayé d'utiliser d'autres approches que le deep learning, et sur 6 de ces 7 études, ils ont réussi à trouver d'autres méthodes que le deep learning pour arriver à des résultats qui étaient meilleurs que les résultats qu'ils avaient obtenus à la base par du deep learning. Donc sur 18 études qu'ils ont étudiées, il y en a une qui a réussi à avoir un intérêt académique dans le sens où ça nous a apporté plus de résultats qu'on avait au départ. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme, comme alternative ? Les autres alternatives, c'est vraiment des trucs de base. Et donc, nos systèmes de deep learning, forcément, ils vont être un peu mieux que des trucs de base tout bêtes. Mais du coup, toutes les autres approches qui ont déjà été étudiées, mais qui auraient besoin d'être étudiées un petit peu plus, ou des choses comme ça, sont complètement délaissées, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas de hype, qui n'a pas vraiment de traction derrière pour être publié. Hund oder Wolf entscheiden muss, das hat nur 5% Genauigkeit, dann hätte ich mal lieber eine Münze geworfen, dann würde ich pour ce qui est des systèmes de base, si c'est quelque chose qui a une qui arrive à décider si une image c'est un chien ou un loup, à quelque chose qui arrive à 5% de reconnaissance, éventuellement même de lancer une pièce ou d'utiliser juste une réponse au pif, ça pourrait même être mieux que ces 5%. Donc c'est vraiment quelque chose de très très basique par rapport à quoi c'est comparé. Donc il y a les études Kaggle aussi, qui regardent un peu tout ce qui est du data science hors du cadre académique. Et là, ce n'est pas terrible non plus. On voit aussi que des essais avec des systèmes plus classiques et pas des systèmes de deep learning arrivent aussi à avoir des résultats qui sont plus intéressants que le deep learning. Et il y a certainement une raison pour ça. Et j'aimerais voir les aspects suivants. Et le prochain, c'est l'influence sur la société. Donc, voir un peu comment on peut faire attention à la durabilité. Donc, on va commencer avec les explications et la transparence. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure du logiciel utilisé dans les cas juridiques qui va donner un score pour décider d'un jugement lors d'un procès. Si on regarde par exemple la couleur de peau des personnes, on voit une différence entre les gens avec une peau claire et une peau foncée. Donc on voit que les scores sont distribués de manière différente si la personne a... les scores sont distribués différemment pour les personnes avec des peaux claires ou avec des peaux foncées. On voit donc que pour la même infraction, on n'a pas le même score pour des personnes avec des origines ethniques différentes. Et ça, c'est vraiment un problème parce que c'est des systèmes qui vont influencer la vie d'êtres vivants et qui sont déjà utilisés aujourd'hui. Donc,
Est-ce que la corrélation se fait sur beaucoup d'éléments, sur beaucoup de facteurs décisifs comme le logement ou les revenus, etc. Donc, was sie damit nicht bezeichnen wollen, ist, dass wir alles, was algorithmische Systeme uns vorschlagen, zu behandeln haben. Das ist nicht, wie wir das gemeint haben, sondern wir müssen mit dem System immer reflektiert und kritisiert umgehen. Alors, ce que beaucoup de gens considèrent, c'est que les algorithmes nous donnent des résultats définitifs et ce qu'on doit faire. Et ce que beaucoup de gens ne considèrent pas, c'est que donc les résultats de ce système seraient à voir comme des préconisations et quelque chose à voir de façon plus critique que de juste le prendre à valeur exacte. Donc, est-ce qu'on est en train de faire du au pif machinel? Il faut voir ce qu'on fait. Donc, on prend beaucoup de données et on essaye de généraliser les données qu'on a, et on essaye vraiment de généraliser. Et on demande au système de toujours avoir un résultat sans avoir vraiment de raison pour avoir, par arriver à ce résultat. On demande vraiment d'avoir un résultat. Et donc, du coup, ce qu'on arrive à pour de l'intelligence artificielle ou des réseaux neuronaux, c'est vraiment juste la machine a appris quelque chose et de prédire l'avenir. Mais ce que la machine ne fait pas, c'est de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prédiction de l'avenir. Il y a vraiment juste de regarder ce qui s'est passé dans le passé et d'essayer de penser à qu'est-ce qui pousserait se repasser dans le futur. Ce qui est problématique, c'est que les gens font confiance à leur ordinateur. Dans la société, c'est très diffusé partout que l'intelligence artificielle, c'est génial, ça va nous sauver. L'intelligence artificielle peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, on a ces grands instituts de recherche qui disent qu'il faut faire de l'intelligence artificielle partout. Si je mets sur ma crème pour la peau qu'elle a été créée avec de l'IA, ce sera mieux vendu. Si je veux que ma société soit mieux positionnée, c'est intéressant du coup d'embaucher des gens qui font comme s'ils étaient des ordinateurs, parce que l'ordinateur n'y arrive pas encore, et pour prendre des réservations ou des rendez-vous, pour pouvoir dire après que l'IA est très efficace parce que l'ordinateur est beaucoup plus intelligent et on peut avoir des avantages sur le marché. Un autre exemple ici qu'on vous a amené, une vidéo. なんかさ、
家で誰かが待ってるっていいもんだな。さっき思ったんだ。帰ってくるとき。おやすみ。おやすみなさい。Donc, pour répondre directement à la question, ça existe vraiment. J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est problématique, mais je vous demande quand même, un niveau sociétal, un niveau sociologique, ce qui se passe avec les humains. Ce qui se passe avec l'humain si on utilise des problèmes comme ça et que c'est vraiment problématique. On passe au truc suivant parce que je n'ai pas vraiment de bonne réponse à ce que je viens de vous poser. Donc on en vient aux données. Pour le deep learning, on a vraiment besoin d'une grande, grande quantité de données. Et c'est en clinch avec nos intérêts sociétaux de ne pas collecter beaucoup de données, justement. Donc on a d'un côté besoin de beaucoup de données, mais on essaye d'être économe en données. On a ensuite des problèmes, par exemple, avec cette intelligence artificielle qui a été connecté à un réseau social et qui, au bout d'un quart d'heure, était d'extrême droite, c'est vraiment problématique. Une autre question qu'on doit se poser, qui est importante pour tout le monde, c'est qu'on travaille tous sur des systèmes qui sont changés, modifiés, qui sont censés modifier quelque chose dans la vie de tous les jours. Et on a tous une responsabilité, comme par exemple pour la conduite autonome. Qui est responsable en cas d'accident? Mais pour n'importe quel autre système, c'est vrai aussi. On a tellement de gens qui sont impliqués dedans. C'est la personne qui programme, qui code. On a les gens qui font le cahier des charges. On a les gens qui achètent, qui vendent. On a les assurances. On a des personnes privées qui font l'acquisition d'un système intelligent. Qui est responsable? Qui peut être tenu responsable en cas de problème et comment est-ce qu'on peut décider à sécuriser les systèmes, savoir comment les systèmes ont été designés pour pouvoir les améliorer et les sécuriser? Il n'y a pas de réponse vraiment satisfaisante pour ça. Des statistiques aux États-Unis ont montré que une majorité trouve ça inacceptable qu'un algorithme soit utilisé pour, dans certains domaines, comme par exemple pour la criminalité, pour les jugements, ou pour les recherches d'emploi, les candidatures d'emploi, que ce soit décidé par un ordinateur, trouve pas ça acceptable, mais c'est déjà fait de manière très étendue, sans qu'il y ait aucun contrôle. Et donc là, on arrive au dernier point, au niveau de la durabilité, d'un point qui n'est pas souvent étudié au niveau du deep learning, mais que nous, on trouve très, très important, c'est l'éco-responsabilité. En particulier, en temps de démonstration de plus en plus importante pour sauver la planète, pour sauver notre environnement, c'est important qu'on ait donc un œil sur ça. On sait par exemple de Bitcoin que ça consomme beaucoup, beaucoup d'électricité. On sait par exemple qu'une transaction en Bitcoin, ça consomme à peu près 500 000 fois autant qu'une transaction Visa ou autant qu'un réfrigérateur pendant 8 ans. C'est un problème qu'on a dans tous les systèmes qui ont besoin de
beaucoup de données. Et comme pour le deep learning, on a besoin de beaucoup de données, c'est aussi quelque chose qui entre en compte. On a actuellement une grande quantité et une quantité de plus en plus importante de centres de données et qui consomment de plus en plus d'énergie. On pense qu'à peu près ça consomme 200 à 500 milliards de kilowattheures par an, mais on ne sait pas vraiment parce que les opérateurs de centres de données ne sortent pas ce genre de données. Mais si on considère que tous les centres de données ne sont qu'un pays, il n'y a apparemment que 5 pays qui consommeraient plus d'électricité que tous les centres de données sur Terre. Si on regarde aussi un niveau plus petit, la quantité d'énergie que consomment différents algorithmes de deep learning ou d'intelligence artificielle, on voit que les systèmes qui sont actuellement à la pointe et qui sont utilisés par Google et ainsi de suite, qui sont utilisés par les grandes boîtes, que la consommation d'électricité et de ressources pour entraîner un système sont vraiment dans des ordres de grandeur de 100 000, voire des millions d'euros. On utilise en plus pour ça de la technologie de pointe, des CPU et des cartes graphiques et des choses comme ça qui sont vraiment très chères. D'un côté, ce sont des ressources relativement rares qui sont achetées, donc ces cartes graphiques et ainsi de suite, ce qui les rend chères, ce qui rend aussi difficile à des plus petits instituts de pouvoir en acheter. Et de l'autre côté, ça consomme beaucoup d'électricité et de ressources. Et c'est, à notre avis, une tendance qui est vraiment dans le mauvais sens. Si on regarde ici par rapport au rejet de CO2, l'impact sur les rejets de CO2 dans l'atmosphère, l'entraînement d'un modèle qui est publié, donc un gros modèle, c'est environ autant de rejets de CO2 que 5 voitures dans toute leur durée de vie, donc en incluant toute la production de la voiture et la consommation avec l'essence utilisée, etc. Donc, on utilise des modèles comme ça régulièrement pour entraîner des données et juste pour faire une toute petite publication quelque part sur un tout petit domaine très, très spécifique. Et moi, je vous amène quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même des bons résultats et des résultats positifs qu'on arrive à sortir du deep learning et de l'intelligence artificielle. Par exemple, Google a réussi à utiliser l'utilisation de ces centres de données avec de l'intelligence artificielle et du deep learning. Des choses comme refroidir plus, refroidir moins des serveurs, éteindre des serveurs et ainsi de suite. Et ils ont réussi à réduire leur utilisation d'électricité de 40%. C'est un peu aussi ironique parce qu'on utilise de l'électricité pour réduire la consommation d'électricité dans un centre de données dans lequel on va éventuellement aussi faire les calculs pour le deep learning. Mais voilà. Pour tout ce qui a trait à l'ordinateur, ça, c'est un peu plus facile. Pour des choses qui ont trait à la production de biens matériels, c'est un peu plus difficile d'appliquer ce genre d'optimisation, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même mettre en œuvre. Est-ce que l'électricité, la consommation d'électricité et le rejet de CO2, c'est la fin de tout ce qu'on a comme rejet et comme éco-responsabilité? Non, ce ne sont pas les seules choses. Il y a toute l'infrastructure, toute la place dont on a besoin, le volume, l'argent qu'on met dedans, avec lequel on pourrait faire autre chose, avec le métal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc toutes les ressources, pas seulement d'électricité et de dioxyde de carbone, qui seraient à considérer pour le deep learning et l'intelligence artificielle.
il y a beaucoup trop peu de gens qui, s'occupent de ce genre de problème. Et on en arrive au point important. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Donc comment on peut poursuivre? Donc ce qui est important pour nous, c'est de vraiment étudier la chose, travailler, construire les systèmes et travailler sur les systèmes pour les améliorer, les simplifier. On essaye de faire en sorte que les senseurs et intégrés dans les voitures autonomes soient optimisés, que tous les systèmes utilisés dans l'industrie soient optimisés. C'est sûr, on peut continuer comme ça si on peut gagner beaucoup d'argent avec ça, mais c'est probablement pas une bonne idée. Il faut vraiment se poser la question, quelles sont les conséquences de tout ça et comment nous pouvons contribuer à optimiser les choses. Et tout ce qui est dans notre secteur est vraiment poussé par la communauté. Donc c'est vraiment à chaque chercheur de décider s'ils veulent continuer comme ça ou s'ils veulent vraiment faire attention et devenir éco-responsables. Donc pour en revenir aux conséquences sociétales de ces systèmes, ils font vraiment qu'on se pose les questions au niveau sociétal et qu'on ait une discussion au niveau sociétal de ce qu'on attend de ce système pour que ce ne soit pas juste 5 ou 10 personnes qui ont des intérêts économiques qui décident ça, mais qu'on ait vraiment une discussion au niveau sociétal pour ça. Il faut aussi qu'on fasse de l'apprentissage au niveau sociétal, donc que les consommateurs puissent comprendre à un niveau peut-être plus abstrait de ce que fait le deep learning, l'intelligence artificielle, sans rentrer dans le détail, mais pour comprendre un peu mieux de ce qu'on peut faire avec du deep learning au Nice ou pas, et qu'on puisse en tirer les aspects positifs sans rester trop dans les aspects négatifs. Il faut aussi qu'on ait une discussion et une awareness de d'où viennent les données, et ainsi de suite, qui rentrent dans ces systèmes. Donc, le résultat de toute cette présentation, c'est qu'il faut réfléchir, qu'il faut changer notre réflexion, changer notre façon de penser, au lieu de juste continuer à utiliser ce qu'on fait déjà. Beaucoup de choses qu'on peut changer seraient utiles à différents niveaux. Par exemple, sans utiliser de systèmes de deep learning ou d'intelligence artificielle, ça pourrait améliorer la reproductibilité et diminuer la consommation de ressources, et ainsi de suite. On espère qu'on a réussi à vous donner une petite idée du thème qu'on étudie. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ce qu'on a présenté aujourd'hui, mais on a déjà passé un peu le temps. Merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné un petit peu à réfléchir et on a encore quelques minutes pour des questions. Bewegt euch doch bitte direkt zu den Saalmikrofonen und wir fangen direkt hier mit Mikrofon 4 an. Entschuldigung. Versuche mich kurz zu halten. J'essaie de rester court. KI für Autos ist ziemlich faszinierend. Die unterscheidet zuverlässig zwischen einem Baum und einem Verkehrsschild. Donc l'intelligence artificielle pour les voitures est relativement fascinante. Elle arrive à différencier un arbre d'un panneau de signalisation.
Et c'est relativement fascinant. Par contre, d'autres systèmes qui essayent de différencier quelque chose qui est beau, quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'on peut avoir les données d'entraînement qualitatives? Oui, je suis tout à fait d'accord. La qualité, c'est un élément très important, mais il faut aller vraiment au-delà de ça. Le problème avec la voiture et le piéton qui était en dehors des passages piétons, c'est un problème plutôt commun. Le problème, c'est que chaque personne recherche des choses différentes et c'est vraiment autre chose. La classification des voitures autonomes et la classification d'un moteur de recherche. Mais ce que fait Google, par exemple, il faut vraiment en discuter. On va passer à la prochaine question d'Internet. Est-ce que nous devons tout laisser au deep learning ou est-ce que on pourrait réduire la quantité de données utilisées? Donc, complètement arrêter le deep learning, ce ne serait pas la bonne idée. Il y a certaines choses qui fonctionnent bien avec le deep learning, d'autres où ça ne fonctionne pas bien. Pour des problèmes très complexes, on n'a pas vraiment d'autres choses qu'on peut utiliser que le deep learning, comme par exemple la reconnaissance du langage humain. Il nous faut vraiment beaucoup de données, il nous faut du deep learning pour réussir à comprendre du langage humain. Mais il faut vraiment pour chaque domaine se demander est-ce qu'on a de meilleurs systèmes sans utiliser à chaque fois, sans se poser la question deep learning. Donc la question que nous on pose, c'est pas tant est-ce qu'il faut utiliser le deep learning, mais pourquoi, pour quel domaine on utilise le deep learning. Prochaine question, par rapport à la reproductibilité. Donc j'étais dans un lightning talk, il avait exactement le problème de ne pas pouvoir reproduire un résultat. Est-ce que si on demande vraiment à toutes les publications de vraiment mettre à disposition toutes les choses qui sont nécessaires pour avoir la reproductibilité, est-ce qu'on arriverait à faire ça ou est-ce que vous pensez que le hype est trop grand? Ouais, on voit beaucoup de choses comme ça dans les journaux, dans les papiers, mais c'est plutôt dans les conférences. On aimerait bien qu'il se passe plus de choses autour de ça. J'aimerais bien que les gens qui sont plus anciens puissent planifier ça et mettre ça sur la liste, en haut de la liste de priorités, et force un peu ça. C'est vraiment ce qu'on souhaiterait avoir. Oui, on parle de régularisation, donc il faudrait qu'on différencie aussi le privé et le public. C'est pas les mêmes attentes. Et prochaine question. Merci pour la session. Est-ce que vous trouvez AGI pour quelque chose de potentiel? AGI comme quelque chose de possible et pour quand? Dans l'état actuel de la recherche, absolument pas. On a actuellement des systèmes qui sont capables de faire des choses très très pointues, comme par exemple de la reconnaissance vocale, mais elles ont beaucoup de problèmes et beaucoup de choses qu'on arrive à aussi casser, même en peu de questions. Et ce sont vraiment des intelligences artificielles très pointues
qu'on ne peut pas mettre, qu'on ne peut pas appliquer partout. C'est quand même quelque chose sur lequel je garderai un œil et que je ne mettrai pas complètement non plus en dehors. Il ne faut pas oublier non plus que l'intelligence artificielle que les intelligences artificielles ne sont pas des systèmes qui sont mis en œuvre dans le vide, qu'il y a toujours quelque chose autour. Il y a éventuellement de la recherche là-dessus, mais dans la recherche, il n'y a pas vraiment de recherche pour une intelligence artificielle générale. Parce que c'est quelque chose de très difficile et il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus faciles à étudier actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Prochaine question. Je vous passe le bonjour du D120. Je voulais savoir si le problème, c'est uniquement dans le deep learning ou aussi pour le machine learning. Réponse de l'orateur, oui, je pense que c'est bien sûr aussi très présent dans le machine learning. C'est dans toutes les publications qu'on a ce problème de reproductibilité. Donc c'est dans toute la recherche informatique. Ce qu'on a présenté, c'est vraiment le machine learning en général, mais le deep learning est encore plus les effets sont plus faciles à observer à cause d'une quantité énorme de données qui est impliquée dans le deep learning. Donc ça rend les choses beaucoup plus visibles. Question subsidiaire. J'ai l'impression aussi qu'il y a un biais de publication, donc qu'on essaye de masser les données jusqu'à ce qu'on ait un résultat. Qu'il y a aussi dans la psychologie quelque chose d'équivalent. Et dans la psychologie, ils ont résolu le problème un petit peu en disant que avant de faire de la recherche, les chercheurs doivent envoyer aux journaux « je vais faire de la recherche là-dessus » et qu'ils doivent publier même des résultats négatifs. C'est assez compliqué à répondre parce que publier un corps de données, c'est assez compliqué. On a des conférences spéciales, mais il y a énormément d'éléments autour. Je pense que la question est plus complexe que ça. Je ne connais pas d'engagement concret dans cette direction, mais oui, ce serait vraiment souhaité, mais pour le moment, c'est pas fait comme ça. Dans beaucoup de grandes conférences, on ne m'a jamais demandé ce que je pensais des résultats. Je viens, je présente mes résultats, je présente les problèmes que j'ai eus. Est-ce que je veux les isoler dans une section de ma publication ou est-ce que je veux complètement les laisser de côté? Et on a aussi des publications sur les problèmes et les échecs, mais c'est souvent du coup pas mis dans le contexte et on a toujours ce problème de reproductibilité derrière qu'on a mentionné. Une dernière question. Ein paar Details zu dieser Beschreibung vom Black Box Wissen. Ich weiß, dass man durch Feature Maps schon das Netzwerk untersuchen kann. Donc j'aurais une question par rapport à la Black Box. Je sais qu'avec des Feature Maps, on peut regarder un peu dans un algorithme d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas étudier comment fonctionnent ces intelligences artificielles? Donc ça dépend un peu de l'architecture qu'on met en place pour le réseau neuronal qu'on utilise. Il y a des essais de faire des réseaux neuronaux explicables, des XNN, mais ça dépend vraiment de l'algorithme qu'on utilise. Et ensuite, le pipeline, donc le,
qu'on a au niveau des études en intelligence artificielle est beaucoup plus grand que juste l'algorithme qu'on utilise. Et pour toutes ces autres choses, donc par exemple relever les données, les préparer pour le réseau neuronal et ainsi de suite, est beaucoup plus grand que juste l'algorithme et l'explicabilité.